Donc le tour de jeu est terminé, c'est la fin de l'automne, et vous allez payer les activités en fait qui n'ont pas été en échec. Alors, on peut commencer par les activités de turbinage hein, pour ce tour. Donc là, on voit que cette fois-ci, les deux centrales hydroélectriques ont turbiné, donc on vous payait donc en fonction de chaque centrale, elle est revenue donc au gestionnaire de barrage. Ensuite, eh bien, il faut regarder les cartes par carte pour les agriculteurs. Si, à partir du moment où il n'y a pas de pion d'échec ici sur l'emplacement, donc sur le point rouge, vous pouvez payer donc, la somme indiquée. Donc là, par exemple, c'est 4. Ici, c'est 3. Ici, bien sûr, c'est 3. Donc sur cette culture en sec, il n'y a pas d'échec, bien sûr, lié à l'approvisionnement en eau. Alors, pour aller plus vite, plutôt que de poser sur chaque carte, par exemple, vous pouvez demander, faire le compte avec le joueur considéré. Donc 4 plus 3, 7, et 3, 10, et 4, 14, et donc lui donner directement 14 de vie. Vous pouvez aussi, concernant l'argent, plutôt que d'utiliser donc des billes qui parfois peuvent tomber, c'est une manière également potentiellement d'accélérer le jeu quand vous en avez besoin. Les joueurs peuvent simplement se contenter d'avoir une fiche sur laquelle ils vont noter les dépenses, puis les recettes, et simplement calculer leur solde à la fin de chaque tour.